God, it's miraculous. Nunca creíamos en esto. We welcome your Holy Spirit. We welcome your Holy Spirit. Just keep playing, just keep playing. Oh, God. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Doing a series in the book of Daniel. Nous sommes en train de poursuivre notre série sur le livre de Daniel. We began chapter 1, 2 or 3 weeks ago. Nous avons commencé chapitre 1 il y a environ 3 semaines. We're going to go to chapter 4 today. Aujourd'hui nous allons aller au chapitre 4. The title of the message. Le titre de notre message. Is God's power versus man's pride. C'est la puissance de Dieu contre l'orgueil de l'homme. My goal is that by the end of this series of Daniel. Mon but c'est que avant la fin de cette série du livre de Daniel, we'll only have the wisdom of Daniel. Nous aurons non seulement la sagesse de Daniel, but we'll operate in the supernatural power that Daniel operates. Amen. Et nous allons fonctionner dans la puissance surnaturelle dans laquelle Daniel a évolué. Last Sunday we saw the title was Fire Had No Power. La semaine dernière notre thème était que le feu n'a pas la puissance. Fire had no power. Le feu n'a pas de puissance. That there are some people on this earth. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici-bas. With their problems, have no power over their life. Oui, pour qui leurs problèmes n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Their power has no dominion over their life. Le pouvoir du monde n'a aucune domination. Their problems have no dominion over their life. Leurs problèmes n'ont aucune domination sur leur vie. They don't allow their situation to influence them. Ils ne permettent pas que leur situation les influence. But they influence their situation. Mais c'est plutôt eux qui influencent leur situation. This chapter starts with a great news. Ce chapitre commence avec une grande nouvelle. You see that? Est-ce que vous voyez ça? Verse 1 to 3. Verset 1 à 3. It starts with the worship of Nebuchadnezzar. Ça commence avec l'adoration de Nebuchadnezzar. To the people, nations and men of every language. À tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues. Who live in all the world, including Yaoundé. Qui habite sur toute la terre, y compris Yaoundé. Say, may you prosper. Amen. May you prosper greatly. La paix de Dieu vous soit donnée avec abondance. It is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders of the Most High. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. This is Nebuchadnezzar speaking, not Daniel. Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui parle, c'est pas Daniel. To tell you about the wonders and the miraculous signs. De vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Has performed for me. If I start telling you about what God has done in my life, time and space shall be limited. Si je commence à vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie, le temps et l'espace seront limités. If I begin to count his miracles in my life, je commence à compter ses miracles. I'm telling the nations. Je dis aux nations. I'm telling the world. Je dis au monde. Look at what God has done for me. Voyez ce que Dieu a fait pour moi. When I was nobody, he picked me up. Quand je n'étais rien du tout, il m'a élevé. He watched me and cleansed me. Oui, il m'a lavé, il m'a lavé. Oh, he placed me on his table. Amen. Oui, il m'a mis sur les tessins. He made me to sit among kings and princes. Il m'a fait asseoir au milieu des rois et des princes. Let me tell you what the Lord has done for me. Laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait pour moi. Yes. Oh, he took me out of nothing. Il m'a sorti de rien du tout. From nowhere, and he made me great. Let me tell you what the Lord has done for me. Je vous dis ce que Dieu a fait pour moi. Oh, he protects me every day. Il me protège chaque jour. His miracles don't last in my life. Always, always, always. Tous ces miracles sont toujours avec moi. Even coming here tonight is a miracle of God. Let me tell you the miracles of God in my life. Je vous dis les miracles de Dieu dans ma vie. Oh. Eyes have not seen, ears have not heard. Oui, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Neither has it come into the hearts of men. Ce n'est même pas monté au cœur de l'homme. What God has done for me. Ce que Dieu a fait pour moi. That's why I always say. C'est pour ça que je dis toujours. You are everything to me. Tu es tout pour moi, Yahweh. You are everything to me. Tu es tout pour moi, Yahweh. What men say I have no future? He said I have a future.
You are everything. Les gens disent que j'ai un avenir. Dieu dit que j'ai un avenir. Alléluia. Oh, you are everything. Oh Dieu, tu es tout pour moi. I cannot do without you, Father. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. I remember. Je me rappelle. How I lived in the U.S. for about 3 years without papers, nothing, just being, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis sans papier. Even to walk, you cannot even walk, nothing. Même pour marcher, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas travailler. Oh, you are everything. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh. Oh Dieu. I don't know if you have a story or a testimony. Je crois que vous avez une histoire ou un témoignage. I don't know if you have one, but I have a lot. Je ne sais pas si vous avez un témoignage, mais j'en ai beaucoup. Oh, you are everything to me. Oh Yahweh, tu es tout pour moi. Nebuchadnezzar dit, how great are his signs. Verset 3, que ses signes sont grands. Amen. How mighty are his wonders! Que ses prodiges sont puissants. Alleluia. His kingdom is eternal. Son règne est un règne éternel. His generation, his dominion endures from generation to generation. Et sa domination subsiste de génération en génération. Alleluia. If an unbeliever can praise God like this, si un non-croyant peut adorer Dieu comme ceci, what about you, child of God? Qu'en est-il de toi, enfant de Dieu? I said, what about you, child of God? Et toi, enfant de Dieu? If a wicked king can recognize the hand of God upon his life, what about you? Si un roi méchant peut reconnaître la puissance de Dieu dans sa vie, qu'en est-il de toi, enfant de Dieu? To realize that wherever you are there because God has placed you there. Tu es rendu compte que quel que soit là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. It's not because you deserve it. C'est pas parce que tu mérites. It's not because you are so hardworking. C'est pas parce que tu es un grand travailleur. It's because God has chosen to place you where you are. C'est parce que Dieu a choisi de te positionner là où tu es. It's by His power. C'est pas sa puissance. It's by His might. C'est pas sa puissance. It's by His favor. C'est pas sa faveur. Oh. You know. But we have a problem. Vous savez, nous avons un problème. It is called the pride of man. Ça s'appelle l'orgueil de l'homme. The pride of man. L'orgueil de l'homme. That man that refuses to recognize. L'homme qui refuse de reconnaître. That wherever he is the hand of God. Que quel que soit là où se trouve, c'est la main de Dieu. Pride says, "It's my hand that has brought me here." L'orgueil dit, c'est moi qui suis ici. Pride says, "It is my hard work." L'orgueil dit, c'est mon travail dur. Pride says, I'm better than others. L'orgueil dit, je suis mieux que les autres. Le bouquin de Saint verse 4. Le bouquin dit au verset 4. Moi, le bouquin de Saint, je vivais tranquille dans ma maison. Et heureux dans mon palais. Flourishing in my palace. Heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. I Nebuchadnezzar. Moi Nebuchadnezzar. Sitting in my palace. Oui, assis dans mon palais. Flourishing, prosperity. Heureux dans mon palais. Something came to this man's heart. Quelque chose est arrivé dans le cœur de cet homme. Verset 29, verset 30, look at what he says. Verset 29 à 30. Oui, verset 29 à 30. Nous suivons. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi de Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever du royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Au même instant.
In verse 4, he was still in the palace. Au verset 4, il était dans le palais. Praising God, this God is big. Louons le Seigneur, ce Seigneur, le Dieu est merveilleux. Verse 29 and 30, he changes. Au verset 29 et 30, il change. Is this not Babylon? Ceci n'est-il pas Babylone? That my hands have built. Que mes mains ont construit. What? What? Quoi? My might, my power, my majesty. Ma puissance, hein? Ma majesté. And the Bible says. Et la Bible dit. He did not even finish his last statement. La parole était encore dans sa bouche. He did not even put a full stop to his words. La parole était encore dans sa bouche. The Lord spoke. Quand Dieu a parlé. He says, because of this, Nebuchadnezzar. Et Dieu a dit qu'à cause de ton orgueil, Nebuchadnezzar. Because you think that it's by your power that you are where you are. Parce que tu penses que c'est par ta puissance que tu es là où tu es. From today. À partir d'aujourd'hui. To the next 7 days. Jusqu'au prochain 7 years. C'est lui. À partir d'aujourd'hui et pendant 7 ans. You shall become like a beast of the field. Tu vas devenir comme une bête des champs. You shall walk on your knees and crawl. Tu vas marcher sur tes genoux. You will et eat, tu vas ramper. You will eat grass. Tu vas manger les herbes comme le bœuf. Until you recognize who has placed you there. Jusqu'à ce que tu reconnaisses qui t'a placé là-bas. My brother and sister, pride is very dangerous. Mon frère, ma soeur, l'orgueil est très dangereux. The favorite words of pride are these. The favorite words of pride. Les mots préférés de l'orgueil sont les suivants. I, me, and myself. Moi, moi et moi-même. I, me, and myself. Je. Moi et moi-même. Pride never speaks of others, it speaks only of yourself. L'orgueil ne parle pas des autres, ça parle seulement de moi. Pride never mentions God, it mentions your power. L'orgueil ne mentionne pas Dieu, ça mentionne ma puissance. Pride finds its strength, it says, I'm better than you. La puissance brandit sa force, c'est que je suis mieux que toi. Pride is self-worship. L'orgueil, c'est l'adoration de soi. It is giving yourself credit for what God has done. C'est prendre des compliments pour ce que Dieu t'a donné. Like Nebuchadnezzar, giving himself credit for the kingdom. Oh, comme Nebuchadnezzar, il prend des points pour ce que Dieu lui a donné. He never knew it was God who allowed him to capture Israel. Il n'a jamais su que c'est Dieu qui a donné la permission de capturer Israël. The people were happy when they crucified Jesus. Les gens étaient heureux. They never knew it was God who allowed them to crucify his son. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui lui a donné la possibilité de crucifier. If you are the son of God, command this cross, come down and show us. Ils ont dit, tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. And they begin to celebrate, we have killed the Son of God. We have killed him. Ils commençaient à célébrer. Nous avons tué le Fils de Dieu. Nous avons tué le Fils de Dieu. In their pride. Et dans leur orgueil. Celebrating that their power has given them Jesus. Célébrant que leur puissance, leur force leur a livré Jésus. Never knew that God was the one that permitted. Ils savaient que c'est Dieu qui a permis. It was God who permitted Nebuchadnezzar to be where he is. C'est Dieu qui a permis à Nebuchadnezzar d'être là où il se trouvait. To accomplish his purpose for that season. D'accomplir ce qu'il a accompli pendant cette saison-là. So wherever you are, donc où que tu sois, whether it's in your job, in your home, in your family, que ce soit dans ton travail, you are there for a season that God has placed to take care of his business. Tu es là pour une saison que Dieu a prévu pour que tu prennes soin de ses affaires. And if you do not follow his will and his plan for your life in that season, et si tu ne suis pas son plan pour cette saison, he said, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, I will put you down. Je vais te renverser. So that you will understand. Et tu comprendras. I can give it to whoever I choose. Que je peux donner ça à qui je veux. Amen. Alléluia. Hey. Whoever. That is why your beginning is not your conclusion. C'est pourquoi ton commencement n'est pas ta fin. Your condition is not your conclusion. Ta condition actuelle n'est pas ta fin, c'est pas ta conclusion. Because God can give it to whomever. Parce que Dieu peut donner ça à qui il veut. I know a story of a man. Je connais l'histoire d'un homme who was very poor. Qui était très pauvre. In the church. Dans l'église. Very, very poor. Très, très, très pauvre. Dirty. Sale. He didn't even take bath. Il ne se baignait même pas. The whole church knew who he was. Toute l'église savait qui il était. The same trouser. Les mêmes pantalons tous les jours. Always before the church. Toujours devant l'église. Always open the church, praying in the house of God. Oui, toujours
toujours en train d'ouvrir l'église, prier pour la maison de Dieu. And then one day he saw a vision. Un jour, il a eu une vision. He saw the sister in the choir. Il a vu la sœur qui était dans la choir. Say, pastor, lady pastor, I have seen my wife in this church. J'ai vu mon épouse dans cette église. She's in the choir. Elle est dans la chorale. The pastor said, quiet, quiet. Et le pasteur dit, tais-toi. You, toi, you marry who? Tu veux épouser qui? That sister. Cette sœur là. You are out of your mind. Tu es insensé. Pastor, I forbid you. Le pasteur dit que je t'interdis. To pronounce that sister's name in your mouth again. De prononcer encore le nom de cette sœur. He ignored the pastor. Il a ignoré le pasteur. He went to the sister. Il est parti voir la sœur. God said you'll be my wife. Dit que Dieu a dit que tu seras mon épouse. Sophia, can God forbid? La sœur a dit que non. You, when is the last time you took a bath? When is the last time you take shower? Toi, quel dernier tu t'es baigné? The pastor is the one who give you money for transport. The pastor take care of you. How are you? Tu dépends du pasteur. Il paye ton transport. Il prend soin de toi. You sleep in the church. Hein? You sleep in the church. Tu dors dans l'église gratuite. The pastor begged him. The pastor begged him. Le pasteur a supplié. Please keep this thing down. Don't disgrace us in this church. S'il te plaît. Quand cette affaire ici, la cache ça. House you don't have. Ne nous souille pas dans l'église ici. House you don't have. Toi tu n'as pas de maison. And then you choose the best sister. Et tu choisis la meilleure sœur. You're everything to me. Oh, yeah, tu es tout pour moi. You are everything to me. Tu es tout pour moi, Seigneur. Hey! Hey! You are everything to me. Tu es tout pour moi, Seigneur. One day, un jour, a very wealthy man, un homme très riche, had a problem. Avait un problème with his business in America. Avec ses affaires en Amérique. He came to the church to look for the pastor. Il est venu à l'église chercher le pasteur. The church was closed. L'église était fermée. Our brother was sleeping in front of the church. Le frère dormait devant l'église. He said, I want to talk to the pastor. Il lui a dit, je veux parler au pasteur. He said, okay, let's go. What problem do you have? Il a dit, bon, alors, mais quel problème tu as? He said, I have a problem. I need prayers. Il a dit, j'ai un problème. Je veux les prières. He said, me too, I can pray for you. Ah. Dit, mais je veux prier pour toi. He said, what is your problem? Quel est ton problème? My account is blocked in America. My business, everything is tight. Laisse mon compte est bloqué aux États-Unis. Mes affaires sont bloquées. I have not slept for 1 week. Look at my eyes. Je n'ai pas dormi pour une semaine. Regarde mes yeux. He said, kneel down. Yes. He lay hands on him. Yes. He prayed for this man. Yes. The man went home. Yes. He realized he slept for the first time. Il a réalisé qu'il a dormi pour la première fois. And he woke up. He's like, what? I slept? Il s'est réveillé, mais comment? J'ai dormi. And then something happened. Quelque chose s'est passé. Few days later. Quelques jours plus tard. Phone call from America. Appel téléphonique de Louis des États-Unis. Your business are okay. Please come over. Yeah. Les affaires sont en place. Venez, monsieur, vous appelez là. He chooses whom he chooses. Il choisit qui il veut. Brother, the doors are open. Yeah. What can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? You say, you know something? Tu sais quoi? What can you do in life? Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Tu you know anything? Tu sais faire quoi? Yes. I used to be an accountant. Hey. J'étais un comptable auparavant. But things are bad, that's why I'm like this. Mais les choses sont devenues dures. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est comme. I'll give you a job in my company. Wow. Not only will I give you this job. Not only will I give you this job. Non seulement je vais donner ce travail. I am going back to America. Je vais aux États-Unis. I'm giving you my house. I'm giving you my car. I'm giving you my suit, my clothes. Everything belongs to you. I'm going. Called his pastor. He called the pastor. Pastor! Pastor! And the pastor was, who is this? It is me! C'est moi, pastor. He said, why did you have phone? You don't even have a number. Tu as
come. Dis, pasteur, viens. Come. Pasteur, viens. Where are you? Come. Tu es où? Viens. Pasteur did not understand. Le pasteur comprenait pas. Pasteur fool. So where are you? Meet me in this carrefour. Dis, le pasteur, tu es où? Trouve-moi dans ce carrefour-ci. Le pasteur seen with a big car. Hey. Le pasteur est venu avec une voiture. The pastor entered the car. The pastor took the pastor to his house. He told the pastor. Yes, your pastor. He said, "This is my house." I said, "Do you know something? I have not slept on the bed." Because I'm used to sleeping on the bench in the church. He said, "The bed is so nice, so I slept on the ground." You are everything to me. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est pastor. Lady pastor. What about that sister? The pastor said, "Don't worry, don't worry. I'll talk to her. I'll talk to her." Mon fils l'a changé. So think about that thing about bills. Oui. You know what the sister said? Vous savez ce que ça dit? If it's the will of God, let it be so. Sister, la volonté, est-ce qu'on peut lutter contre Dieu? J'accepte la volonté de Dieu. You accept the will of God now? Oh, this brother became a sensation. Sensation. From nothing to something. Yeah. It is God that promotes. It is God that lifts up. It is God that transforms our lives. He can put you up today. Tomorrow he puts you down if it is possible. It takes only one thing for God to change your life. Ça prend rien du tout à Dieu pour changer ta vie. That is why I give you praise. Because you are everything to me, God. Parce que tu es tout pour moi, Seigneur. God said, "I hate pride." Dieu a dit, je déteste l'orgueil. He said, "When pride comes, then disgrace shall follow." Dieu a dit que quand l'orgueil vient, la chute va suivre. He said, "Pride comes before destruction." Il a dit que l'orgueil précède la chute. He said, "A man's pride shall bring him low." L'orgueil va amener un homme en bas. You know, we don't see pride in ourselves, we only see in others. Vous savez, nous ne voyons pas seulement l'orgueil dans nous-mêmes, nous voyons l'orgueil toujours dans les autres. We call it confidence, we call it self-confidence. Oui, nous appelons ça plutôt l'assurance personnelle. Philippiens chapitre 2. Let this mind be in you. Philippiens chapitre 2. Que cette pensée soit en vous. Who was in Christ Jesus. Lui qui était en Christ Jésus. Who thought not robbery to be equal with God. Qui n'a pas estimé comme privilège à arracher. Though in the form of God. Oui, il existait en forme de Dieu. But he took the form of a bond servant. Il n'a pas regardé sur le regard de Dieu comme une voix arrachée, mais il s'est débrouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. And became obedient. Even to the. Devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. Oh, church tonight. Oh, église, ce soir. It says when he humbled himself. La Bible dit quand il s'est humilié lui-même. God. Dieu. L'a élevé. You deserve the glory. Lift my hands. Lord, lift my hands.
worship. I shall bless your holy name. You deserve it, Lord. You deserve the glory and the honor. Yeah.